Voilà, bonsoir, bonsoir, encore une fois, ravi d'être avec vous. Je suis Pierre Le Garrigues, on est ensemble, j'ai monté un petit peu mon casque, voilà. On est ensemble pendant une demi-heure environ, voilà, pour ce soir, une séance de Yoga Nidra, voilà. Vraiment quelque chose de très très intéressant, une forme de méditation très très intéressante comme tu vas le découvrir dans un instant. Comme tu le vois, je me permets de te tutoyer et ça c'est juste parce que je m'adresse à toi qui est devant ton écran et bien évidemment ça n'empêche pas le respect comme ça. Quand je parle de vous, ça s'adresse à tout le monde. Mais quand je parle voilà à chacun d'entre vous finalement, je me permets de tutoyer, voilà. Parce que je sais très bien qu'en ce moment, tu es tout seul devant ton écran, comme moi d'ailleurs. Hein, voilà. Du coup, très bien, tant que j'y pense, merci de liker la page, de partager cette vidéo, cette méditation, si tu penses qu'elle peut inspirer d'autres personnes. Ça fait avancer la chaîne, ça fait avancer ma page Facebook, mais surtout, l'intérêt, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux à faire cette méditation, et ça pour le plus grand bien de tous. Au final, voilà. On en a profité avec le tambour, hein, ça nous a donné un petit peu d'ancrage. Voilà, et je vais te laisser t'installer confortablement dans le Yoga Nidra, c'est une forme de méditation allongée. Hein. Si tu fais du yoga, tu connais probablement cette position. En général, on fait ça à la séance, à la fin de la séance de yoga, et on se met dans la position qu'on appelle Shavasana. Hein, alors Shavasana, c'est une pratique justement de comme ça de méditation. Et la position, c'est vraiment allongée, les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel, les pieds écartés à peu près à la largeur de ton tapis de yoga. Alors tu peux reproduire ça sur la moquette, le tapis du salon, ou même le canapé ou le lit sur lequel tu peux t'allonger. Hein, y a aucun problème, ça va très bien. C'est vraiment une méditation qui se passe dans le relâchement total du corps et dans l'immobilité complète. Et le principal, finalement, c'est d'être bien connecté avec ma voix qui, à partir du moment où on va commencer cette méditation, va se faire extrêmement douce. Voilà, je viens de couper mon smartphone. J'avais oublié de le faire. Désolé. Voilà, allez, c'est parti. Je vais te laisser poser ton attention sur ta respiration. Et comme toujours, à l'inspire, tu vas laisser s'échapper tout ce qui pèse, les tensions, les frustrations, les contrariétés de la journée. Voilà, je fais un petit peu de bruit en respirant pour te montrer qu'on doit respirer, c'est l'idée, hein. Très bien. Très, très bien. Et maintenant, du coup, commence vraiment à te détendre. Tu peux gentiment fermer les yeux. Et bien, être à l'écoute de ma voix. On va commencer à détendre le corps. C'est vraiment une méditation qui se passe dans une relaxation profonde, un peu, tu vois, à mi-chemin entre l'éveil et l'endormissement, l'éveil et le sommeil. Très bien. Et là, tu vas pouvoir commencer à énoncer finalement ce que l'on appelle ton sankalpa. Ton sankalpa, en fait, c'est une intention très simple qui te concerne, toi et personne d'autre, que tu vas énoncer au présent. Hein, je prends toujours cet exemple parce que il est simple et un petit peu universel. Je veux avoir davantage confiance en moi. Et ça peut être vraiment l'élan, hein, de quelque chose vraiment, le souhait le plus ardent de ton cœur, finalement. Ça peut être, je suis prêt pour rencontrer quelqu'un, je veux rencontrer quelqu'un. Voilà, je veux rencontrer quelqu'un, je suis prêt. Hein, voilà. Et ce sankalpa, quand tu as comme ça cette intention
très claire. L'idée, c'est que tu la sentes, tu vas la dire trois fois, cette intention. Tu peux la murmurer, tu peux la dire mentalement à l'intérieur, ou tu peux tout simplement la prononcer. Mais ce qui est important, c'est que ça résonne en toi. Déjà que ce soit aligné avec toi, ça c'est sûr. Et puis que ça résonne à l'intérieur, que tu t'en imprègnes. Voilà, comme si je disais, je veux vraiment avoir davantage confiance en moi. Je veux vraiment avoir confiance en moi davantage. Je veux vraiment avoir davantage confiance en moi. Et je me sens un peu comme si, tu vois, c'était déjà réalisé et ça va se réaliser. Je ne me pose pas la question du « est-ce que ça va vraiment se réaliser ?» Non, ça va se réaliser. Et on va tout faire pour ça. Dans cette séance de Yoga Nidra, attention, c'est vraiment quelque chose de puissant. Pourtant, complètement dans un état de relaxation profonde. Allez, on va commencer par porter notre attention, par exemple, sur la main droite, la paume de la main, et d'étendre complètement la paume de la main. D'étendre complètement l'avant-bras du côté droit. Puis le bras, l'épaule, vraiment ressentir que je relâche mon épaule du côté droit, ma poitrine du côté droit, mon ventre, côté droit, ma hanche, mon genou, ma cuisse, muscle de ma cuisse, côté droit, mon genou, mon mollet, ma cheville. Laisse le corps se repositionner si il en éprouve le besoin. Je vais un petit peu vite dans cette pratique, parce qu'on est un petit peu pris par le temps. Et puis mon pied droit, ma plante de pied, mes doigts de pied, relâchement total, relaxation, détente, c'est ça. Je vais porter mon attention, je t'invite à porter ton attention dans la paume de ta main gauche, les doigts de ta main gauche, ton poignet gauche, ton avant-bras gauche. Quelque chose qui peut t'aider, c'est de prononcer mentalement la zone du corps en même temps que tu y amènes ta conscience. Ça va t'aider et ça va renforcer le processus. On en était à avant-bras côté gauche, coude côté gauche. On relâche bien le bras, l'épaule gauche, la poitrine côté gauche, très bien. Le ventre côté gauche, la hanche côté gauche. Puis la cuisse côté gauche, le genou côté gauche, le mollet côté gauche, la cheville, le pied tout entier, la plante, les doigts de pied, très bien. Je vais maintenant aller à l'arrière du corps, l'arrière de la tête côté droit, la nuque côté droit. L'omoplate, l'épaule, là derrière, sur la face arrière, côté droit, l'omoplate, le côté droit de la colonne vertébrale, mes reins, mes lombaires, mes fessiers côté droit, cuisse arrière, mollet à l'arrière, très bien. Même chose à gauche, arrière de la tête, côté gauche, la nuque, côté gauche. Très bien. L'épaule côté gauche. L'omoplate côté gauche. Répète mentalement la zone du corps. En même temps que tu y amènes ta conscience, et ça t'aide à y amener ta conscience. Voilà, le rein côté gauche. Les lombaires côté gauche, toute la zone lombaire. Les fessiers côté gauche, l'arrière des cuisses, de la cuisse gauche, pardon. Et puis,
le mollet arrière, côté gauche. Et puis la tête, l'arrière de la tête, on l'a dit déjà, le dessus de la tête, côté droit de la tête, front côté droit, pommette côté droit, mâchoire côté droit, le cou côté droit. Arrière de la tête, côté gauche, dessus de la tête, côté gauche. Le front, côté gauche. La pommette, côté gauche. La mâchoire, côté gauche. Le cou, côté gauche. Voilà, toute la tête. Et maintenant, on réunifie la tête tout entière, côté droit avec côté gauche. Attention. On réunifie. Très bien. On va réunifier le côté droit du corps avec le côté gauche, face avant. Attention. 1, 2, 3. On réunifie. Très bien. On va réunifier l'arrière du corps, côté droit avec côté gauche. Attention. À 3, on réunifiera. 1, 2, 3. Et maintenant, on va réunifier l'arrière et l'avant du corps, très détendu, très très détendu. Voilà. Très très bien, détente complète du corps. Cette petite pratique très intéressante maintenant, où on va compter de 27 à rebours jusqu'à 1. Alors si tu te sens à l'aise avec la respiration ventrale, fais-le depuis ton nombril et ça va donner, tu vas dire quelque chose comme tu as pratiqué en disant quelque chose comme 27, mon nombril se soulève et tu inspires bien sûr, 27 pendant l'expire, mon nombril se rabaisse, retombe pendant l'expire. 26, mon nombril se soulève. 26, mon nombril retombe. Voilà. Si tu n'es pas à l'aise avec la respiration ventrale, tu peux passer à la poitrine. Quelquefois, on fait les deux. Mais là, on va juste se contenter de l'un ou de l'autre, ce que tu sens de plus à l'aise. 27, ma poitrine se gonfle. 27, ma poitrine se vide. 26, ma poitrine se gonfle. 26, ma poitrine se vide. Donc tu fais avec le ventre, le nombril, ou avec la poitrine, comme tu te sens à l'aise. Attention, si par exemple après 26 tu dis 24, tu sautes 25, ou que tu te trompes, tu recommences à 27, ma poitrine se soulève, à l'inspire hein, bien sûr, 27, ma poitrine retombe, se vide. 26, ma poitrine se soulève. À l'expire, 26, ma poitrine retombe et se vide, etc. Je te laisse pratiquer ça un petit moment. Fais ton compte à rebours de 27 jusqu'à 1, tranquillement, depuis la poitrine ou depuis le nombril, depuis le ventre.
Je te laisse stopper là où tu en es. Termine par un expire. Voilà, très bien. Très, très bien. Nous allons maintenant passer à l'étape de visualisation, tranquillement. À chaque fois que je vais donner une phrase, je vais la répéter. Et ce que je veux, c'est, ce que je te demande, c'est d'imaginer, c'est de visualiser, de ressentir, hein, de créer une image mentale à partir de la phrase que je vais donner. Et puis vraiment de ressentir ça, hein, vraiment. Quelquefois, on ne visualise pas vraiment, mais il arrive qu'on ressente très bien les choses, hein, on les imagine parfaitement. Et ça ira très très bien si c'est le cas pour toi. Allez, on commence par quelque chose de très simple. Imagine maintenant, visualise une bougie allumée. Une bougie allumée. Une bougie allumée. Très bien. Imagine maintenant un désert infini. Un désert infini. Un désert infini. Tiens, imagine à présent la grande pyramide de Khéops en Égypte. La grande pyramide de Khéops en Égypte. La grande pyramide de Khéops en Égypte. Imagine et visualise une pluie d'orage en été. Une pluie d'orage en été. Une pluie d'orage en été. Visualise de hautes montagnes enneigées. De hautes montagnes enneigées. De hautes montagnes enneigées. Ouais. Visualise un temple grec au lever du jour. Un temple grec au lever du jour. Un temple grec au lever du jour. Voilà, très bien. Visualise un vol d'oiseau au couchant. Un vol d'oiseau au couchant. Un vol d'oiseau au soleil couchant. Visualise des nuages roses qui passent. Des nuages roses qui passent. Des nuages roses qui passent, c'est ça. Visualise un ciel rempli d'étoiles. Un ciel rempli d'étoiles, ouais. Un ciel rempli d'étoiles. Visualise une nuit de pleine lune. Une nuit de pleine lune. Une nuit de pleine lune. Une nuit de pleine lune, ouais. Visualise le doux visage d'un Bouddha. Le doux visage d'un Bouddha. Le doux visage d'un Bouddha. Visualise une brise légère sur la mer. Une brise légère sur la mer. Une brise légère sur la mer. Et pour finir, visualise le ressac immuable de l'océan. Le ressac immuable de l'océan. Le ressac immuable de l'océan.
Voilà, très 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 bien. Et maintenant, je vais te laisser répéter ton sankalpa, cette intention, hein, alors surtout la même que tout à l'heure, une seule intention qui te concerne, on l'a dit. Et maintenant, vraiment, répète-le à nouveau 3 fois, de manière à ce que vraiment ça résonne en toi, vraiment. Ça y est, tu as répété 3 fois cette intention, ce sankalpa. Parfait. Et maintenant, tranquillement, on va revenir ici. Et maintenant, tout tranquillement, dès que tu seras prêt, tu peux ouvrir les yeux tout simplement. Tu peux commencer à prendre conscience de la pièce où tu te trouves, les meubles, la fenêtre, etc. Les objets qui se trouvent dans cette pièce, complètement conscient, bien là, dans l'instant présent. Conscient aussi que tu viens de vivre une séance de Yoga Nidra. Voilà. Gratitude à toi. Tu peux t'adresser de la gratitude à toi-même, je veux dire. Gratitude des bols tibétains qui, comme toujours, élèvent la fréquence vibratoire. Et ça, c'est précieux, bien sûr. Excellent, très belle séance. J'espère que ton sankalpa, ton intention, c'est vraiment le cri du cœur en quelque sorte, vraiment le souhait le plus joli, le plus profond de ton cœur. Et voilà, ça va vraiment, grâce à tout ce processus qui peut paraître anodin parce qu'il ne demande pas tellement d'efforts, un petit peu d'attention pour justement ne pas sombrer comme ça dans le sommeil, ne pas s'assoupir. Hein. Si on reste bien dans cet état mi-chemin de l'éveil et du sommeil, hein, cet entre-deux comme ça, vraiment, des choses étonnantes se passent parce qu'on va aller s'adresser à l'inconscient de manière... Voilà. Alors, je m'appelle l'hypnose d'ailleurs. Hein. Ok. Et ben voilà, encore une fois, cette fois, c'est moi qui te remercie. Merci d'être là pour cette méditation du jeudi. Et puis, je le redis, là, pour le coup, ben, il reste juste 3 heures pour profiter de recevoir, je le remontre, il est beau en plus, il est très beau, pour recevoir un tambour vraiment très semblable à celui-là. Tu en vois d'autres exemplaires derrière moi, hein. Alors pas le blanc qui est au milieu, mais les 2 autres sont des tambours aussi. Voilà, très bien, que tu pourrais être amené à recevoir si tu t'inscris avant ce soir minuit à la formation. À la pratique du tambour chamanique, une formation qui se passe, tu reçois, en fait, tu as accès à 32 vidéos de manière illimitée, tu as accès à un live par mois,
hein, c'est pareil aussi, illimité. Et puis vraiment, il y a même un groupe Facebook dédié, hein, il y a déjà 170 personnes et il y en a une trentaine qui viennent de se rajouter depuis ce week-end. Hein, ça va faire plus de 200 personnes qui font cette formation et tu vas vraiment pouvoir échanger avec d'autres personnes. Voilà. En tout cas, rendez-vous jeudi prochain. C'était Pierre Le Garrérès et je te souhaite une merveilleuse fin de soirée. À très vite.